Bonjour. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous entretenir d'un sujet dont je crois que je n'ai jamais véritablement abordé, ou je ne crois pas en avoir vraiment parlé. Il s'agit en fait des pratiques occultes comme la magie noire, la sorcellerie, les envoûtements, les jeteurs de sorts, etc., etc. Alors, ces pratiques ne sont pas anodines. Hein. C'est vraiment quelque chose qui existe et qui marche, hein, malgré tout. Et pourquoi je vais vous entretenir de ça? Avant tout, c'est parce que je sais que certains d'entre vous qui me suivez sur YouTube pratiquez ce genre de choses. Alors, vous le pratiquez, peut-être que certains le pratiquent de manière un peu ludique ou par curiosité. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est parfois le même, hein, c'est-à-dire que ça va marcher. Et ça va avoir des effets et des conséquences qui peuvent être très négatives malgré tout. Hein. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai dû, au cours d'une sortie hors du corps, on sait très bien qu'il y a des accords qui se font, hein, mais j'ai dû intervenir pour aider certains d'entre vous qui ont eu mal à faire avec des pratiques de magie. Donc, ce que je tenais à dire, c'est que moi, je ne suis pas personnellement, je ne suis pas ni un désenvoûteur, ni quelque chose de ce style-là. Donc, quand j'interviens de ce côté-là, alors c'est très rare que j'accepte de le faire, mais là, j'ai accepté de le faire parce que ça m'a été demandé. Ça me pèse quand même un peu, je vous dire, parce que c'était quand même des personnes assez jeunes qui m'ont contacté, qui ont pratiqué en tout cas à travers un livre des pratiques de magie, qui ont attiré des entités démoniaques, je vais dire, assez costauds quand même, et c'est moi qui ai dû en tout cas purifier un peu ce genre de situation. Je leur ai montré comment il fallait faire, parce que je n'allais pas faire tout le travail tout seul, évidemment. Nous étions trois. Mais c'est quand même pesant, hein. Je déteste ce genre de choses, malgré tout. Donc je l'ai fait quand même, mais c'est pour surtout vous dire que maintenant, d'éviter de faire ce genre de pratique, même par curiosité, d'une part pour vous, parce que ça va marcher, ça peut très bien marcher et avoir des conséquences très lourdes, et aussi pour moi, pour que je ne sois pas tout le temps, enfin, que je sois plus sollicité pour ce genre de choses. J'ai déjà eu affaire, pour moi, à des genres d'affrontements, d'attaques, en tout cas, d'entités assez négatives dans l'astral. Bon, évidemment, je sais comment il faut faire maintenant pour purifier, nettoyer ce genre de situation, mais c'est quand même très très désagréable, je vous le garantis. D'autant plus que quand vous revenez dans votre corps, en ce qui me concerne, vous gardez vraiment les émotions, enfin en tout cas les sentiments, la vibration de ce qui s'est passé. Donc des fois, c'est vraiment très désagréable. Là, dans ce cas précis, là où j'ai dû vraiment vous aider certaines personnes à repousser c'est cette entité-là. Je me rappelle m'être revenu à mon corps à 3h40 de la nuit. Et j'ai dû mettre, après pour repartir, j'ai dû mettre peut-être une heure et demie avant de pouvoir me rendormir pour pouvoir apaiser quand même ce côté émotionnel qui est quand même désagréable. Même si j'y suis habitué, c'est pas facile. Donc c'est aussi pour moi, éviter de faire ce genre de choses. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont faire ça par curiosité. Tiens, on va tester, on va invoquer par curiosité un peu malsaine, hein, faut le dire aussi, hein, ou un peu morbide, ou un peu qui vont invoquer quelques démons ou quelques entités, peut-être même en rigolant. Mais le problème, c'est que ça peut marcher. Et une fois qu'elles sont là, elles sont pas d'humeur forcément à vous lâcher. Il y a d'autres personnes qui vont faire ça vraiment consciemment, par exemple, passer un pacte avec des entités négatives, démoniaques même, par exemple, pour avoir un avancement dans leur travail, ou faire des, je sais pas, si vous êtes des commerçants, faire plus de ventes,
ou accéder, voilà, passer devant les autres, enfin dans des buts, on va dire un peu d'avancement ou commercial, et ça va marcher. Ça peut très bien marcher. Le seul truc, c'est qu'il y a après la loi de cause à effet. Il y a la dette à payer, hein, parce que c'est jamais gratuit ce genre de choses. Donc après, il va vous arriver la contrepartie, qui ne sont que des grosses négativités très lourdes, très pesantes, car vous serez attaché à des entités qui ne vous lâcheront pas. Donc évidemment, il y a des techniques de désenvoûtement, il y a des techniques de protection qui existent, il y a tout un tas de choses comme ça. Dans ces cas-là, moi ce que je vous dis, je ne vais pas vous donner des conseils, parce que je ne suis pas un spécialiste de ça, en tout cas sur Terre. Enfin, dans ma forme physique. Dans l'astral, c'est différent. Je peux pratiquer d'autres choses. Mais en tout cas, c'est pas mon rôle. Donc, si ça vous arrive, il existe des personnes qui sont vraiment habilitées, sérieuses, pour pouvoir vous libérer de ça. Et des fois, ça peut être très lourd de conséquences. J'en ai déjà reçu personnellement, en soins enseignants, des personnes qui avaient eu des problèmes de ce style. Moi, personnellement, je les ai orientés vers des personnes compétentes. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand vous contactez ce genre de choses, que ce soit de manière, on va dire un peu, quand je dis ludique, c'est un peu pour s'amuser, que ce soit pour un peu vous amuser, ou dans un but sérieux, ou dans un but, là, où c'est encore plus dangereux, dans un but de vengeance, pour vous venger d'une personne, ça arrive très souvent qu'on jette des sorts, hein. C'est aussi négatif. Dans le sens où jeter un sort, vous allez créer une charge, un potentiel négatif sur une personne. Une forme d'égrégore, on va dire, une forme pensée, quelque chose de très négatif que vous allez envoyer sur la personne. Elle va vous revenir. Automatiquement. Ça, c'est la loi karmique de cause à effet. Donc, ça va vous revenir et amplifier. Jamais très bon. Si vous faites appel à des entités du bas astral qui se nourrissent de ces choses-là, alors là, c'est encore plus compliqué. Beaucoup plus compliqué de s'en débarrasser. Et alors, vous pouvez trouver ce genre de pratiques dans des livres de magie noire, de sorcellerie. Ça existe et elles sont véritablement, comment dirais-je, efficaces quelque part. Ça marche. Alors, des fois aussi, c'est on fait ça quand on est jeune. C'est un peu un chemin, quelque part, initiatique. On passe un peu par tout un tas de phases pour pouvoir expérimenter les choses. Bon, moi, si vous êtes jeune et que vous m'entendez, ne le faites pas, ça sert à rien. On n'est plus dans cette époque où on est dans une espèce d'obscurantisme. Maintenant, on va faire des pratiques de lumière, des pratiques positives, mais pas des pratiques de pouvoir avec des entités de ce style-là. Donc laissez tomber toutes ces choses-là, c'est fini, ça c'était au Moyen-Âge, bien avant, voilà, donc on sort de ces trucs-là. Évidemment, il y a des pays comme les Antilles ou l'Afrique noire, où ils pratiquent encore de manière très puissante ce genre de choses. Et ça a des effets très dévastateurs, mais ça, comme je le dis, je sais que ça marche, j'en ai vu, hein, j'en ai reçu des personnes qui ont été touchées par ce qu'on appelle communément le vaudou, ou des choses de ce style-là. Alors, c'est à prendre, évidemment, très au sérieux, parce que ça peut vous amener jusqu'à la mort, hein, quelque part, hein, de la personne. Ça peut vraiment vous dégrader. Donc, une fois de plus, c'est vrai qu'ils font ça en Afrique ou dans les Antilles, ils font ça entre eux. Hein, je sais que... C'est un peu comme nous dans les campagnes il y a quelques siècles où régler leurs comptes de cette manière-là. Donc un Européen, il sera moins, comment dire, il risque moins d'être victime de ce genre de choses. Surtout si vous êtes en tourisme dans la région. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour vous expliquer comment ça marche, c'est pas compliqué, ce sont des invocations. Alors, évidemment, il existe des rituels, mais ça peut être fait très simplement. Hein. Il suffit, voilà. Alors, on retrouve ces personnes qui sont un peu sataniques. Ça existe, ces genres de personnes qui s'amusent à ça, qui sont un petit peu quand même borderline. Quand je dis un petit peu, c'est... vous me comprenez. On retrouve aussi, alors là... c'est là aussi où je mets une mise en garde. Alors, c'est vrai que. On ne se rend pas compte parfois, vous ne vous rendez pas compte. Mais le fait de.
de faire des tatouages par exemple, de faire des piercings, ou d'avoir un look, comment on appelle ça, les looks... j'ai oublié le terme... ça me reviendra, c'est le matin, j'ai oublié. Qu'il y ait des looks un peu black, sabbat, là, enfin... Enfin, vous, dans les commentaires, je suis sûr que quelqu'un me retrouvera ça. Voilà, en fait, il y a, faire un peu ce genre, d'essayer de se représenter ou avec des attributs qui sont quelque part noirs, c'est pas bon, vous allez atterrir des entités là. Même au niveau des tatouages, des piercings, même si pour vous c'est un délire, hein, comme vous voyez dans les musiques. De métal, des musiques, comment dire, qui font appel, qui y a des groupes de musique comme ça qui se font un peu, qui ont des termes qui sont appelés avec des noms de démons. Je vous garantis, là vous avez une connexion directe avec tout ce qui est base astrale. Donc tout ça vous les attirez, même si pour vous vous n'en avez pas conscience. Vous pouvez être vraiment en possédé quelque part par ces entités là. Comment dire, c'est tout du bas astral, même le rythme vibratoire de ces musiques là ça vous attire, c'est du bas astral, hein, c'est satanique, hein, quelque part, hein. Donc à éviter, je vous dis, même si c'est gentil, les piercings, les tatouages, tous ces genres de choses. Je dis pas qu'il faut pas faire de tatouages, je dis pas que vous pouvez pas faire un piercing à droite à gauche, mais il y a des fois où c'est vraiment, on voit des personnes par exemple qui se font couper la langue en deux, en serpent, j'ai vu ça, hein, sur internet, qui se feront faire physiquement, complètement. Bon, ben là, je vous garantis, ces personnes, elles sont possédées. Ça, c'est obligé. Non, et une fois que vous êtes possédé par ce genre d'entité, ça peut durer de vie en vie, hein. Ça peut aller très loin. Donc ça, c'est un avertissement que je donne surtout aux jeunes qui ont ce genre de... qui peuvent être attirés, parce qu'on peut être attiré par ça, c'est un côté peut-être un peu attirant, hein, quelque part, fascinant. Pour moi, je vous dis, évitez ça, allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, n'allez pas vers quelque chose de sombre comme ça. Même si des fois la musique peut être, ça peut être stimulant, quoi, hein, on le voit, hein, dans les groupes de musique... satanique, hein, je sais plus comment on appelle ça, mais en ce moment, je ne suis pas très bien réveillé, hein, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, enfin, vous me comprenez, quoi. Mais c'est vraiment, par contre, ça émet des vibrations et des énergies qui vous tirent vers le bas, hein, c'est des énergies qui vous amènent dans les bases astrales, dans le bas astral, comme les groupes comme... Bon, je sais plus. Bon, aujourd'hui, je plante, mais enfin, vous savez très bien. Tous ces groupes de black music, là, enfin, pas musique noire, parce que musique noire, c'est pas ça. Mais musique satanique, on va dire. Moi, j'appelle ça, je peux pas trouver d'autre nom que ça. Hein. Voilà, donc ça aussi, c'était aussi pour vous dire que ça peut être une porte ouverte à ce genre de... À ce genre de dimension, hein. Ils pouvaient vivre là-dedans, hein, surtout quand des fois il y avait des... Même dans les rêves, hein, dans les rêves évidemment, maintenant ça se fait un peu moins, mais quand vous partiez dans des fêtes, des teufs, comme vous dites, de ce style-là, avec bourré de drogue, de machin, de tout ce que vous voulez, alors là, mais vous êtes plombé, hein, complètement. Et en plus, vous êtes sous domination, c'est-à-dire que les entités qui sont là, elles ont un pouvoir sur vous qui est absolu. Hein. Vous savez plus où vous êtes là. Hein. Vous êtes vampirisé par ces entités-là. Donc, avertissement, je vous le dis. Enfin, vous faites ce que vous voulez après. Et après, ça peut être aussi de manière beaucoup plus, plus ludique. Hein. Des fois, on va faire une soirée. Tiens, on va s'amuser. On va sortir la planche à Ouija. Et puis, on va évoquer Belzébuth ou Asmodée ou enfin n'importe qui. Puis, ça peut arriver qu'il arrive, hein, qu'il vienne réellement. Je dis pas que le Ouija, c'est dangereux en lui-même. Tout dépend
de l'attitude que vous avez par rapport à ça, du comportement que vous avez. On communique maintenant avec le monde invisible, mais on peut communiquer. Bon, la planche à Ouija, bon, c'est qu'un support. Vous pouvez aussi communiquer sans planche à Ouija ou comme ça, et avoir aussi des effets négatifs. Tout dépend de votre état d'esprit, de votre mental, de vos connaissances aussi par rapport à ça. Donc, évidemment, il faut faire ça avec intelligence. Avec intelligence. Je ne dis pas que ça y est, vous avez fait une soirée spiritisme avec la planche et puis ça y est, vous êtes foutu. Non, pas du tout, hein, faut pas rêver. Hein. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Bon, sans la planche, parce qu'on n'avait pas besoin de ça. Mais il y a eu des fois, c'était un peu chaud, mais voilà, il m'est jamais rien arrivé de dramatique non plus. Ce que je veux pas dire, qu'il n'y a pas de risque. Les risques existent, surtout si vous êtes jeune et sans expérience. Donc, si ça vous tente de communiquer avec l'invisible, il faut au moins qu'il y ait une personne de compétente avec vous qui soit capable de vous guider, quelqu'un de bon. Mais voilà, enfin, là, je veux quand même rester dans le domaine de ce que je parlais, des domaines un peu noirs. Hein. Car il faut quand même les aborder, ces sujets-là, parce qu'ils existent. Hein, ils existent réellement. Et en plus, maintenant, vous trouvez vraiment sur Internet ou n'importe où des pratiques de ce style-là. Donc, voilà, c'est pour vous mettre quand même un peu en garde. Surtout, ne jouez pas, voilà, ne faites pas n'importe quoi dans ces domaines-là. Ne cherchez pas le pouvoir à travers ces entités-là. N'essayez pas d'avoir des pensées négatives, des pensées de vengeance. Voilà, vous voulez vous venger de la petite amie qui vous a piqué votre mari ou vice-versa. Non, ça c'est pas bon. Et pourtant, croyez-moi que ça, beaucoup de personnes vont voir des personnes, des sorciers ou des marabouts pour jeter des sorts. Hein. Alors je vous dis pas, dans le tas, il y a beaucoup d'escrocs. Hein. Des fois, ils sont vraiment incompétents. Fort heureusement, ça ne marchera pas. Mais il peut y en avoir des personnes qui sont capables de ça, qui sont vraiment capables de générer des sorts ou des choses comme ça. Surtout, peut-être un peu moins maintenant, mais dans les campagnes, par exemple, dans la vieille France profonde, on va rester en France, certaines personnes sont très douées pour jeter des sorts ou des envoûtements. Pas besoin d'aller très loin. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Internet. Bon, peut-être que maintenant ça se perd, mais moi j'ai connu ça. J'ai pu connaître quand j'étais plus jeune, dans ce qu'on appelle la France profonde, des personnes capables de jeter des sorts, ou même parfois, le côté positif, de guérir. Hein. Mais voilà, parce que des fois on peut trouver les deux aspects, hein. Les gens faisaient les deux, mais c'est toujours des personnes qui, maintenant je vois avec le temps, bon ben, c'est quand même pas très positif. Tout cela. Voilà, donc, je pense que j'étais assez clair à ce sujet-là dans le message que je voulais vous transmettre, qui s'adresse évidemment, je pense, à une petite minorité de personnes qui me regardent, que je sais, qui ont pratiqué ça. Surtout pour vous et aussi pour moi, que je ne sois plus sollicité, exceptionnellement, pour un peu nettoyer ces genres de situations. Alors ça, je suis certain que ça va encore m'arriver, hein. Ça arrive de temps en temps, puis même des fois il m'arrive d'être confronté personnellement encore à ce genre de choses, c'est relativement rare, mais c'est quand même quelque chose de très négatif, donc c'est vraiment pas agréable du tout, je vous le garantis, quand vous les voyez ces entités-là, parce qu'en plus moi je les vois dans l'astral, hein. Donc c'est pas quelque chose d'invisible qui est autour de vous, qui vous met mal, moi je les vois. Je les vois, ces esprits démoniaques, qui sont, en fin de compte, ni plus ni moins que la concrétisation, vous voyez, de tout ce qui est basse psyché humaine. C'est-à-dire haine, jalousie, envie, tout ce qui est les émotions négatives, sentiments négatifs, ça, agressivité, tout ça, ça a donné vie à ces entités-là. Sur un plan subtil, qui sont véritablement vivantes, avec une forme d'intelligence. Elles ne sont pas humaines, évidemment. Pour certaines, elles aimeraient connaître
la vie humaine. C'est pour ça qu'elles vont parfois vous posséder. Il y aura des cas de possession. Mais, et elles se nourrissent, évidemment, de ces énergies que vous allez entretenir. Parce qu'elles vont vous angoisser, elles vont vous faire peur, elles vont vous créer des situations dramatiques, et ça va les nourrir, donc ça va les renforcer, donc vous allez les garder. Plus vous aurez peur, plus vous serez angoissé, plus vous aurez de la haine ou quoi que ce soit, ou un côté sombre, et si vous êtes déjà envoûté, ben plus l'entité, elle sera contente. Elle va continuer à vous faire peur et vous allez la nourrir. Vous voyez le truc? Donc la solution, il passe toujours par la lumière. Voilà. Mais ça, ce sont... comment dire, il y a des personnes qui sont vraiment très fortes, très habilitées pour faire ça, des prêtres, exorcistes ou des envoûteurs, voilà, qui sont, c'est leur mission de vie. Moi, ce n'est pas la mienne. Je sais comment il faut faire dans l'astral pour s'en débarrasser, mais ce n'est pas ma mission. Voilà. C'est exceptionnellement, j'interviens dans des cas bien précis. Mais ce n'est pas mon truc. Et encore moins sur Terre. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est sûr que ça change un peu des autres styles de vidéos. Mais il fallait que je le dise. D'une part parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Et c'était le message qui m'a été demandé de vous transmettre. Pour aussi, quelque part, certaines personnes. Voilà. Donc, je vous retrouverai bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, surtout les pouces bleus, ça c'est super pour moi. Partagez la vidéo, ça peut pas faire de mal, à votre voilà, sur vos pages Facebook ou là où vous voulez. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, hein, ça serait super. Et puis d'appuyer sur la petite cloche des notifications. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine vidéo.